Bien le bonjour, donc nous sommes vendredi, il est je ne sais pas quelle heure, je suis avec mon produit pour les tapis, parce que hier on a eu la merveilleuse surprise d'avoir un petit vomito de goji, voilà, je suis essoufflée, je suis désolée, j'ai monté 3 fois les escaliers là, donc ouais, mademoiselle Goji qui est ici, bonjour Goji, ouais t'as raison, sauve-toi, qu'as-tu à dire pour ta décence? Ok. Bref, elle a vomi ses croquettes sur le tapis, en haut dans le bureau, et en fait, au départ, elle était contre le parquet, elle bougeait pas, je dis c'est bizarre, je la sens pas bien là. Et après, elle s'est mise sur le tapis, et là, et bim, allez hop, les croquettes sur le tapis, donc direct on a mis du produit, hein, parce que j'ai pas envie de pourrir mon tapis. Donc voilà, mais bon, c'est pas bien grave, on lui en veut pas. Je pense que c'est parce qu'en fait Doudou lui a mis les croquettes et genre quand il lui met les croquettes, elle est genre trop contente et donc elle saute dessus, elle mange super vite et en fait c'est comme nous hein, quand on mange trop vite et ben voilà. Donc voilà. Mais bon, je ne lui en veux pas, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, il est vendredi, il est midi. On s'est couché très très tard hier soir. Très très tôt même j'ai envie de vous dire, puisqu'on s'est couché vers 3h. Alors la petite dormait hein, parfaitement, hein, mais en fait je vous ai déjà dit que nous dès que la petite elle dort, on en profite, on fait plein de choses. Et hier il fallait absolument 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 qu'on termine mon blog pour pouvoir le mettre en ligne. Et ça y est, il est en ligne. Donc si ça vous intéresse de voir mon nouveau blog, et ben je vous invite juste à taper bébépulpeuse.com. Et puis voilà, il s'est refait une petite beauté. Voilà, je le trouve très très beau. Mon homme a beaucoup travaillé dessus, donc je suis ravie. Voilà, sinon j'ai sorti l'aspirateur, je suis toujours en pyjama, mais je pense que je vais faire mon ménage avant d'aller me doucher, logique, parce que je vais avoir chaud, je vais transpirer, etc. etc. Donc voilà, j'ai sorti mon aspirateur, mon magnifique Dyson, je vous le présente, et voilà. Et donc, coup d'aspirateur, coup de serpillière, en sachant que j'ai reçu mon balai. Alors c'est trop drôle, parce que hier j'ai regardé un vlog de Elodie, donc je sais plus comment c'est son pseudo... Hello Family, ouais je crois que c'est ça, et en fait elle disait que elle avait craqué pour des blouses quand j'en avais parlé, parce qu'en ce moment, il y a quelques jours il y avait des promos sur les blouses sur Mango Outlet, et elle a dit bah bien, bébé pulpeuse m'a fait craquer, bah voilà, Elodie tu m'as fait craquer pour le balai, parce que c'est super pratique, c'est un balai qui en fait, vous avez une petite poignée, je vais vous le présenter, alors attendez. Attendez, non parce que ça pour toutes les mamans franchement c'est super rapide, voilà. Donc vous avez une petite poignée et en fait devant ça fait gicler de l'eau sur le parterre et après vous essuyez. Bon, alors bien entendu je vais pas le passer maintenant puisqu'il faut que je passe l'aspirateur avant, mais je suis trop contente parce que c'est trop pratique, c'est super petit, vous pouvez le monter en haut, c'est pas voilà, et vous avez le petit contenant de produits et voilà, c'est trop 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 bien. Merci, merci beaucoup Elodie. Je vais tester tout ça et je vous en reparle juste après pour vous dire si c'est bien ou pas. Est-ce que ça se voit que je suis un petit peu excitée, speed? Bref, allez, je fais mon ménage parce que je suis censée partir dans 1h15 pour aller chercher mes courses au drive et pour aller chez le dentiste. Oui, parce qu'en fait, en ce moment, le dentiste, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire que j'y vais toutes les semaines. Voilà, je l'aime beaucoup mon dentiste, hein. C'est un ami à ma maman, mais une fois par semaine, il est temps que ça se termine. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, parce que j'ai eu certains commentaires sous les derniers vlogs, il y a une ou deux personnes qui sont toujours en train de dire, mais t'es tout le temps en train de faire le ménage. Mais en fait, je le fais pas tout le temps, mais je filme pas tous les jours en fait les vlogs. Donc il y a certains vlogs quand je filme, bah oui je fais le ménage. Mais après c'est pas forcément, ça veut pas dire forcément que le vlog que je vous ai filmé juste avant, c'était un vlog juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis même j'aime bien quand ma maison est propre. En même temps comme tout le monde je pense. Enfin j'espère. Bon, aspirateur passé. Vous pouvez voir que j'ai eu très chaud. La serpillière. Le balai là, c'est top, il est top. Ça sèche super vite parce que vous mettez à peine de produits d'eau. C'est top, 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 top. Donc merci Elodie, si tu passes par là, merci beaucoup parce que voilà, je kiffe, je kiffe, je kiffe. En plus, il est super léger pour monter en haut, donc vraiment parfait, parfait, j'adore. J'adore, je valide, j'en rachète. Bon, il est... quelle heure il est? 1h30, je pars. Je m'en vais, je mets mes chaussures,
J'ai eu le temps de prendre ma douche, de me laver les cheveux, de me maquiller. Désolée, je suis là. Ouais, donc de faire mes cheveux, de me maquiller, de m'habiller, de finir mon ménage en haut, de passer la serpillière en haut. Et voilà, je suis partie. Je vais aller récupérer mes courses. Donc le programme, c'est je passe à Auchan Drive. Puisqu'en fait, hier, avec Doudou, on regardait les drives. Et on a comparé... pardon. Et on a comparé les prix. Et en fait, ça vaut plus le coup à Auchan Drive. Comme Leclerc, c'est un petit... C'est le moins cher. Mais Auchan, en fait, en faisant un panier identique, et ben Auchan, c'était moins cher. Donc voilà, je vais à Auchan Drive. En sachant que je passe devant avant d'aller chez le dentiste. Donc voilà, vraiment parfait. Il fait pas très chaud, donc je vais tout mettre les trucs frais dans le sac congèle. Et puis le dentiste, j'en ai pour 20 minutes, donc voilà. Et après, je rentre à la maison. Voilà, on est parti, let's go. Niveau tenue, j'ai rien d'extraordinaire, je vais vous montrer ça vite fait. Petit jean très très simple qui vient de chez Carrefour. Le haut, vous l'avez vu et revu et re-revu. La dentelle en bas, il vient de chez Etam. Niveau chaussures, je suis sur des Geox. Et voilà, je vais mettre ma doudoune. Ma doudoune parce qu'il fait encore un petit peu froid. Donc voilà, allez. Et j'ai un mal de tête. Voilà pourquoi j'ai les lunettes. Let's go. Bon, je suis actuellement à Auchan Drive. Auchan, j'avais jamais fait. Mais voilà, quand ils ont pas les produits, et ben en gros, ils te les mettent pas. Donc ils te les déduisent, hein, bien entendu. Tu les payes pas, mais là j'ai pas mes oranges. Voilà que Leclerc en fait ils ont un entrepôt, donc en fait ils ont exactement le nombre de fruits, de légumes et tout. Et s'ils en ont plus, bah ils les vendent pas quoi. Donc voilà, là je suis un peu pris de court, j'ai pas mes oranges, donc ça veut dire pas mes jus de fruits, mes purs jus d'orange le matin, le dimanche. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Allez, j'attends sagement qu'on m'amène mes courses. Bon, je suis actuellement devant le dentiste. Je suis un petit peu en avance, donc je vais pouvoir vous parler. Donc, j'ai récupéré ma commande au drive. Et donc, en fait, j'avais commandé des fruits et des légumes. Donc, j'ai vérifié l'état de mes fruits et des légumes, hein, comme à chaque fois, en fait. Parce que des fois, ils nous mettent des trucs tout mous et tout. Voilà, bon, bref. Et en fait, j'avais pris un sachet d'oranges qui n'était pas disponible. Donc, peu importe, je ne l'ai pas payé, ils ne m'ont pas donné. Et j'avais pris également des oranges sanguines. Voilà, sauf qu'il y avait une orange qui était pourrie. Et donc, elle est en train de faire pourrir les autres. Donc je lui ai dit gentiment, il m'a dit il n'y a pas de problème, je vais vous le changer. Et donc en fait il est revenu avec 3 kilos d'oranges au lieu d'un kilo et des oranges sanguines bio. Voilà, parce qu'elles étaient plus disponibles, celles que je voulais. Donc voilà, enfin tant mieux pour moi. Mais voilà, ça je trouve ça très très bien qui change le produit de la gamme au-dessus en fait. Donc ça c'est top, rien à dire là-dessus. Voilà, je pense pas que je repasserai par Auchan. Puisque là il n'y a eu qu'un sachet d'orange, mais je me dis que s'il y a plusieurs articles, et ben franchement ça vaut pas le coup. Que Leclerc en fait ils ont des dépôts en fait, donc ils ont le stock, le nombre de stocks, et quand il n'y a plus de stock ils le vendent plus. Voilà, ce qui est logique en fait. Mais Auchan, comme c'est un Auchan Drive à côté du Auchan, et ben ils vont dans le magasin chercher les articles. Donc quand il n'y en a plus, ben il n'y en a plus quoi. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Enfin, bon allez, je vais au parc mettre pour mettre un petit peu de sous pour ma voiture et let's go chez le dentiste. Je pense que je vais appeler ce vlog vlog dans ma voiture parce que je suis tout le temps en train de filmer dans ma voiture. Bon, j'ai sorti les lunettes de soleil parce qu'il fait super beau, ça fait plaisir. Je suis dans les bouchons lyonnais, j'adore. Et pourtant, j'avais pris rendez-vous à 15h, donc je m'étais dit, c'est bon, 15h, j'aurais pas trop les bouchons. Et en fait, il y a toujours les bouchons ici. Ils sont en train de faire le tram, en fait. Donc, il y a des travaux, c'est réduit à une voie, enfin bref. Voilà. Bon, je vais passer à Marie de la Chère. Il faut que j'aille acheter du pain pour ce soir. Et puis après, bah, je rentre à la maison en sachant que je récupère ma pépette ce soir à 17h. Donc voilà, on est parti, on rentre à la maison. Bon, je viens de passer à Grand Frais, c'est une grosse blague. Il y a 3 jours, on avait moins 10 et là, il fait 25 en plein soleil. Allez comprendre ce temps. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais moi, je ne comprends pas. Bon, ça y est, je suis à la maison. J'ai vidé mes courses, donc je vais vous montrer tout ça. En sachant qu'il y a pas mal de choses pour ce soir, puisque comme je vous ai dit, ce soir, on a du monde. Et donc voilà, je voulais faire un bon apéro. On fait raclette, donc voilà. Je ne vais pas faire d'entrée ou quoi. Hein.
La raclette se suffira, mais je vais faire un petit apéro. Je vous filmerai d'ailleurs 2-3 recettes de cet apéro. Je ne sais pas si je filme pour une vidéo à part ou dans le vlog. Je ne sais pas. On verra. On verra. Alors, j'ai pris des pâtes feuilletées. J'ai pris du riz rond pour faire les desserts. La dernière fois avec Doudou, on avait envie de riz au lait. Et je pensais avoir du riz rond et en fait, j'en avais pas du tout. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, j'en ai acheté. J'ai pris des canettes de Coca Zéro. J'en achète très rarement. Mais voilà, quand on a du monde, j'aime bien avoir quand même des canettes de Coca. Je prends le zéro. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai pris du chorizo pour faire des palmiers de chorizo vache qui rit. J'ai pris des yaourts nature sucrés au sucre de canne. J'ai pris des liégeois pommes framboises sur le coulis de cassis et pommes abricots sur coulis de framboise. Ça, c'est juste trop bon. J'ai pris du Philadelphia et du mascarpone. Pourquoi? Puisque demain, je suis de corvée. Alors, corvée entre guillemets. Je dois faire un rainbow cake. Donc voilà, il me fallait ça. J'ai pris du fromage à tartiner avec du thon. Ça, c'est pour faire tremper les petits légumes. J'ai pris des danettes extra noires pour mon doudou. J'ai pris des citrons verts puisque Doudou va faire des mojitos pour ce soir. Des baby carottes. Alors ça, je me suis fait grave avoir. Mais grave. Je ne sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a 200 grammes. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai payé ça presque 2 euros. Donc, autant acheter 1 kilo de carottes, hein, franchement. Des tomates cerises, comme ceci. J'ai pris des concombres. J'ai pris des tortillas. Chili, donc elle pique un petit peu, donc c'est très bien. Tout à l'heure, je suis passée à grand frais puisqu'il me fallait de la menthe et il me fallait du nectar d'abricot. J'ai pris des colorants donc pour mon rainbow cake. J'ai pris de la menthe qui sent divinement bon pour les mojitos de ce soir. Les fameuses oranges sanguines qu'on m'a rechangées. Donc là, j'ai payé 2 kilos, mais j'en ai eu 3. Donc parfait. Et mon paquet de lait pour la petite, et je viens de passer en deuxième âge, puisqu'en fait, elle a 6 mois dans 15 jours. Alors, on va pas le commencer tout de suite, parce qu'il nous en reste du premier âge, mais voilà, il fallait que j'achète du premier âge. Donc voilà, c'est chose faite. Voilà. Bon, je suis bien contente. Je vais pouvoir mettre tout ça au frigo, en sachant que je vais chercher Cali dans... Je pars d'ici une demi-heure. Il y a Goji qui va rentrer. Ouais, je pars d'ici une demi-heure, donc je vais aller... Bah non, loupé. Je vais aller la récupérer. Et puis voilà, mon ménage est fait partout. Je suis ravie. Je vais mettre tout ça au frais, en sachant que j'ai pas grand chose à préparer pour l'apéro. C'est assez rapide, donc très très bien. Et puis de toute façon, Doudou arrive... À quelle heure il arrive, Doudou? Il arrive vers 18h, donc ça me laissera une heure et demie à peu près pour tout préparer. Donc c'est parfait. Voilà, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Enfin voilà, allez, je mets tout au frais. Qu'est-ce que tu fais, Cali? T'as mis tous les papiers à maman par terre? Ah bah oui, ça commence à attraper les papiers de maman. Hein? Tous les papiers de maman, ils sont par terre, là. C'est pas normal, ça. Et voilà, on peut plus rien laisser traîner. Oh, cacahuète. Ouais, t'as raison, vas-y. Celle-là, elle te plaît pas, tu vas la remettre par terre. Y'a papa. Y'a papa. Y'a papa. Oh. Papa. Coucou. Il y a un petit bout là. Bonjour. Coucou. Ah bah oui, elle attrape. Coucou. Bon, maman kangourou est en train de préparer l'apéro. Oui, parce que Cali, sur les coups de 18h, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça râle pas mal. On peut pas la laisser toute seule. Elle a besoin d'être dans les bras. Mais comme on a pas mal de choses à faire, et ben j'ai pas le choix. Porte-bébé. Donc, j'ai fait l'apéro. Alors, une partie. Là, c'est le... Oui, merci pour ta petite mimine sur la caméra, ma chérie. C'est très gentil. Donc là, c'est les palmiers vache qui rit chorizo. Donc, en fait, j'achète une pâte feuilletée. Je mets de la vache qui rit sur le fond. Et après, je vais venir mixer un petit peu de chorizo et je le mets par-dessus. Voilà. Et puis, je vais vous montrer comment on roule tout ça, on plie tout ça.
parler. Alors, au niveau du pliage, donc il faut... Alors, avec un bébé, c'est pas très facile. Donc, il faut plier la tarte comme ça, jusqu'au milieu. Donc, une première partie, la deuxième partie au milieu. Hop, vous enlevez le papier, hein, on n'oublie pas le papier avec. Ensuite, vous reprenez là et vous repliez encore au milieu. Voilà, vous aplatissez bien. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Attention, je fais ça avec une main. Et ensuite, vous allez plier en fait en deux. Voilà. Donc, repliez les deux moitiés. C'est complexe quand on a un bébé en porte-bébé. Je vous le dis, moi. Coucou. Hein, Cali. Coucou. Et ouais. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, c'est pas très, très beau. Clairement, vous allez, hop, tourner ça et vous allez mettre au congèle. Pourquoi on met au congèle? Puisque au congèle, ça va durcir un petit peu et ça sera beaucoup plus simple pour après les découper et pour les mettre au four. Donc là, ça va partir au congèle pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, le temps que ça prenne bien. Et puis après, j'y sors du congèle, je découpe, je pose sur une plaque au four, 180 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, c'est tout! C'est tout, c'est tout, c'est tout! Ah, il est où, papa? Coucou! Et voilà. Presque minuit, nos amis sont partis, on a passé une très très bonne soirée. Alors je vous ai pas filmé, j'ai pas eu le temps de filmer avant qu'ils arrivent puisque en fait ils sont arrivés, j'étais en train de terminer mon apéro. Donc voilà, on a passé une très très bonne soirée, je vous ai filmé un petit peu la table et tout. Et après on a joué au jeu Limite Limite, je vous en avais déjà parlé. Bon c'est un jeu à prendre avec au second degré parce que voilà ça peut être... Bah c'est drôle quoi, mais voilà, c'est pour passer un bon moment et on s'est bien marré. Voilà, je me suis démaquillée, j'ai mis ma crème hydratante. Maintenant direction le dodo, puisque demain, ben Cali va se lever à 8h et que... Et voilà, faudra se lever en même temps qu'elle, donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi, je vous fais plein 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 de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.